Dans un instant, retrouvez Accès Privé et le dernier coup de gueule de Brigitte Bardot, le coup d'éclat de la chanteuse Jennifer et la réaction de la fille de cœur de Jacques Chirac après la semaine éprouvante qu'a passée sa famille. A tout de suite dans Accès Privé. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Accès Privé, votre magazine sur les célébrités. Cette semaine, l'actualité est riche, la preuve en images, tout de suite le sommaire. Il y a 15 jours, Jennifer était élue meilleure artiste féminine de l'année aux Energy Music Awards. Une victoire décriée et contestée par les médias qui, une fois encore, n'épargnent pas la chanteuse. Alors comment la star réagit face à cette déferlante de moqueries et critiques? Quel regard porte-t-elle sur la presse et le star system? C'est ce que vous allez découvrir grâce à ces images surprenantes où elle se parodie. C'est un sujet de signé de Nadine Simoni. Dans un instant, nous reviendrons sur un conte de fées moderne, l'histoire d'un couple fusionnel, celle de Dany et Yael Boone. Mais tout de suite, place au coup de gueule de la semaine. Regardez cette image. Vous vous en doutez, ce détournement n'a pas été du tout du goût de l'actrice qui attaque en justice ses auteurs. Entre procès, coup de gueule et provocation, Brigitte Bardot reste toujours la révoltée de ses débuts. Rebelle et libertaire, elle a mené une vie dissolue, n'a même pas élevé elle-même son fils et a plaqué le cinéma pour vivre recluse avec des animaux. Retour sur le parcours de cette insoumise de légende avec David Corr. La France est là. Mercredi, rien à déclarer, la nouvelle comédie signée Dany Boone sortait dans toute la France. En un jour d'exploitation, 300 000 spectateurs s'étaient rués dans les salles. Des chiffres qui annoncent un nouveau succès pour Dany et Yael Boone, son épouse. En effet, depuis leur rencontre, la vie sourit plus que jamais au roi du box-office. Elle a tout sacrifié pour lui, il la sollicite pour la moindre décision. Retour sur l'histoire d'un couple fusionnel. Yael, qu'est-ce qui a changé ? Dans un instant, Accès Privé revient. Regardez ce qui vous attend dans la seconde partie de l'émission. De retour dans Accès Privé, on continue avec celui qui, après une longue traversée du désert, est devenu le chouchou des médias, Dave. Invité sur tous les plateaux télé, égérie de marque, des zéniths remplis grâce à son seul nom. Pourquoi, avec des tubes vieux de 35 ans, le chanteur a-t-il réussi à ne pas sombrer dans la ringardise? C'est un sujet de Sophie Attard pour Patrick Spica Productions. Cette semaine a été marquée par le raz-de-marée médiatique qui a frappé la famille Chirac. En exclusivité pour Accès Privé, Anne Dao Traxel, la fille de cœur de l'ancien président, raconte cette semaine de turbulence. Voilà, Accès Privé, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec une pépite du net. Écoutez bien, cet homme est un chauffeur de taxi brésilien et il a exactement la même voix que Michael Jackson. Au revoir et bonne semaine.